D'aussi loin que je me souvienne, et cela me fait beaucoup de peine, on ne m'a jamais parlé auparavant de la science de l'unicité. Dieu sait toutes choses, il est tout-puissant, rien ne peut contrer sa volonté. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. La volonté est l'attribut par lequel Dieu, Allah, spécifie les choses possibles selon la raison. Par l'existence au lieu de l'inexistence, par certaines caractéristiques au lieu d'autres, par le fait d'exister dans une époque au lieu d'une autre. Tout ce qui est entré en existence, c'est par la volonté de Allah. La volonté de Allah n'est pas comme notre volonté à nous. La volonté de Allah est un attribut qui n'a pas de début, alors que notre volonté a un début. De plus, la volonté de Dieu ne change pas et se réalise immanquablement. Abu Daoud a rapporté que le messager a enseigné à l'une de ses filles de dire: « Ce qui a pour sens, ce que Dieu a voulu est, et ce qu'il n'a pas voulu n'est pas. » C'est-à-dire que ce que Allah a spécifié par l'existence arrivera immanquablement. Les musulmans sont unanimes là-dessus. Que Allah nous accorde davantage de science. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. Vous qui m'avez écouté, il ne s'agit pas d'oublier. Le meilleur des actes en réalité, c'est de croire en Dieu et en son messager. De croire en Dieu et en son messager. D'aussi loin que je me souvienne, on ne m'avait jamais parlé de ce qui pouvait réellement m'éviter le châtiment pour l'éternité, le châtiment pour l'éternité.